Bonjour à tous et à toutes, je suis Relus et aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes sur l'épisode 100 de Neverwinter Night. Et je pensais vraiment pas y arriver, vraiment. Mais finalement ce jeu a su me tenir en haleine jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare pour les jeux auxquels j'ai joué. Jusque là. Dans cet épisode 100, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va continuer l'aventure. Ce sera juste la durée qui sera plus longue. Voilà. Et la première chose à faire, c'était de parler à Ribes. Parce que dans la dernière session que j'ai faite, j'ai récupéré pas mal d'objets de quête. Et certaines d'entre elles me disent de retourner voir Ribes pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Est-ce que j'ai déjà ouvert ce coffre ? Première chose qu'on fait, c'est ouvrir un coffre qu'on a déjà ouvert. Donc parlons à Ribes. Il est bon de vous revoir. Il m'est arrivé de croire que vous aviez accepté une trop lourde responsabilité. Mais vos ressources et votre... Je me lasserai jamais de ce unrecognized token. Très beau. Avez-vous découvert de nouvelles informations oui. concernant le culte ? Alors j'ai une information. Bonne nouvelle. Enfin j'ai deux. Qu'avez-vous découvert ? Alors j'avais la lettre de... adressée à Neva qui était sur une quête où il y avait une embuscade sauf que c'était... où il y avait un frère à récupérer, sauf que c'était une embuscade. Et le secte de bois-souris, c'est je ne sais plus quoi. Donc on va commencer là-dessus. Attends, regardez, magnifique. Ce sont les divagations d'un démon. On est en droit de se demander ce que la secte voulait accomplir en ce lieu hanté. Cette information le confirme. Cette information le confirme donc. La secte est à Luskan. Excellent travail. Vous avez amplement justifié la confiance que vous porte le seigneur Nasher. Je sais même plus qui c'est Nasher en fait. Donc 700 XP, c'est pas dégueu. Pour cela, il va vous falloir entrer à Luskan et vous infiltrer dans la tour des Arcanes. Allez voir Arin. Avec un peu de chance, il aura une idée de la marche à suivre pour y parvenir. D'accord. Viendrez-vous avec moi ? Bien entendu, Arin et moi-même allons vous rejoindre à Luskan. Yeah ! Arin vous aidera à entrer dans la tour. Quant à moi... j'ai d'autres projets. Que voulez-vous dire ? J'aimerais pouvoir vous en parler, mais c'est impossible. Je n'ai guère le choix dans cette affaire. Contentez-vous de faire ce qu'on vous demande. Oh là là. Pas d'inquiétude. J'ai mes ordres, tout comme vous. Je vous sans le moindre doute. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle tâche vous est confiée. Oui. Mais vous avez accepté d'aider le seigneur Nasher, n'est-ce pas ? Ok, je ferai de mon mieux. Alors, allez-y et parlez à Arin. J'espère que... je souhaite... non. Alors attendez, parce que... là c'est bizarre. Arribes, qu'est-ce que t'es en train de me faire ? Est-ce que tu serais pas en train de faire un jour double ? Arribes, qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi tout, je suis un pote. Alors... ah oui, alors il faut que donc... la drague du culte. Donc ça je lirai en fait plus tard. Nous devons entrer à Luskan pour suivre votre piste au sujet de la tour des Arcanes. Adressez-vous à Arin Gend. Il a un plan pour vous faire entrer en ville. D'accord. Ah, c'est toi, mec. J'ai cru comprendre que vous aviez découvert des renseignements indiquant que la secte se trouve à Luskan. Voilà qui est excellent. J'ai un vieil ami qui est sergent et qui est en poste aux portes de la ville. Je l'ai convaincu que le fléau n'était plus une. Je lui donnerai votre signalement pour qu'il vous laisse entrer. Arribes et moi allons déplacer notre base d'opération. Oui, mais il sera incapable de nous permettre de ressortir. Merde. Une fois que nous serons à l'intérieur, il nous sera impossible de revenir à Port-Last. Je ne sais pas encore tout à fait. D'accord. Retrouvez-moi à Luskan des votre... je vais essayer de trouver le moyen d'entrer dans la tour des Arcanes, bien sûr. Arribes insiste aussi pour venir à Luskan. Arribes peut paraître dérangée, mais ce n'est pas sans raison. Bon. Elle reçoit tout de même ses ordres. Si vous avez Arribes les plans... et moi allons déplacer notre base afin de penser à finir tout ce qui vous reste à faire et à rassembler votre équipement et vos compagnons avant d'aller à Luskan. Partez maintenant. Ok. Donc en fait, Luskan, c'est vraiment la dernière zone de jeu, d'après ce que j'ai compris, parce qu'après, c'est terminé. Donc j'ai bien fait de commencer par la forêt de Palivert et Bois-Souris. Une intuition dont je me félicite jusque-là. Nous devons entrer à
Mais putain, mais ferme ta gueule, j'ai... des arcanes. Adressez-vous à Haringend. Il a un plan pour vous faire entrer en ville. Oh, vous me faites chier. Nous retrouverons ton venir à Luskan, mon ami. Haribes et moi allons déplacer notre base afin de penser à finir tout ce qui partait maintenant. Putain, j'ai bloqué une quête. Ça se trouve, j'ai bloqué une quête et ça, je suis... mais trop con. Je suis sans doute trop con. Donc là, les strats, c'est con. Moi, ce que je voulais faire, c'était... Ah non, moi, j'ai commencé par où? J'ai commencé par... Voilà, j'ai commencé par bois de palivère, donc route d'est. Là, il faudrait que je finisse bois souris. Et ensuite, on remonte et on fait le scan. Alors... bah attendez, bah c'est, non, ce qu'on peut faire, attendez, ce qu'on peut faire, sinon, wait, je vais ouvrir, J, je vais prendre des notes, voilà, je vais faire, après le scan, résoudre, problème, à, bois souris, problème, ah putain, il me l'a fait en plus. Ça, c'est un problème de merde que j'ai. Ah, bah nique ta mère. Voilà. Problème. En plus, je suis sûr. Mais non, je peux pas. Ça, je n'ai jamais compris d'où vient ce truc. Problème. Ah, bois souris. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... bah, pour cet épisode-là, on va faire toute la quête de le scan. Donc je l'enregistre sur ma quick save. J'ai quand même, au cas où, mis une autosave, je la garde. Parce que j'ai des doutes, au cas où si je fais une connerie. Et on va mettre... alors celle-là, je vais l'effacer, hein, parce que ça me fait chier. Et je vais faire un petit saut et je vais mettre mission... le scan qui sera pour cette session. Et eh ben c'est parfait. Donc bois souris s'attendra. On va aller vers la route du nord, l'auberge du griffon vert et le scan. Ou alors, non, non, attendez, ah putain, trop de choses en tête. Ou alors on n'y va pas. Ou alors tout simplement, non, là ce qui serait bien, c'est que je finisse bois souris. Ah, ce serait que je finisse bois souris parce qu'en fait toute la région du nord j'ai pas visité. Ah, je sais pas. Ah, ça me fait chier. Non, on va pas se disperser. On va pas se disperser. Je suis désolé, j'arrête pas de dire de la merde. Mais non, on va aller à Bois-Souris. On va finir Bois-Souris. On commencera la route du Nord. Quand Bois-Souris sera terminé, Bois-Souris, je suis sûr, y a rien. Je suis sûr, y a rien. D'ailleurs, je vais pas vous faire la route jusqu'à Bois-Souris. Parce que, bah... parce que vous la connaissez. Donc du coup, je vais faire une ellipse et je vous retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Et bah finalement, encore une fois, il y aura un changement de plan. Hein. Ça arrive tout le temps, je pense, dans cette vidéo. Avant d'aller à Bois-Souris, j'avais découvert cette crypte où j'avais juste défoncé la partie avec les squelettes. Et je ne l'avais pas visité, donc du coup, des cadavres de squelettes, là, c'est dégueulasse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ah oui, parce qu'il y avait ça. Il y avait ça. Ah oui, attends. Je vais déverrouiller ça. Calme-toi, là. Couvre-moi juste 30 secondes. Échec. Ah, putain. Indécent. Ouais, non, je crois savoir, ça va être des pièges. D'Alain. Ah putain, il y a un squelette. Il y a une goule. Oh, ta la goule. Putain, alors, les goules. Les pires ennemis du jeu. Que le sol vous engloutisse. Allez, on y croit. Yes. Viens avec moi, D'Alain. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Attention. 3, 2, 1, go. Go, D'Alain. Oh là. Bah non, écoute, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Ah, puis aussi ils peuvent m'empoisonner. Eux aussi ils peuvent devenir chiants. Allez, voilà, parfait. Pour l'instant ça va. Pour l'instant, personne. Pour l'instant, aucun d'entre nous même. Non, pas reposer, sauvegarde. Oh, ça fait ça, d'accord. J'y ai
Ça, je prends, c'est de la thune en plus. Ok. Ouah, ça a planté. Ok. Ouais. Alors, je suis de l'eau. Merde, bon, Dalin il va s'attaquer à tout le monde. Oui, Dalin il s'attaque à tout le monde, d'accord, je vois pourquoi. Bon, Dalin, je sens qu'il est chaud, donc on va faire demi-tour. Alors, je sens qu'il est chaud pour se faire des ghouls. Même si c'est pas la meilleure strat du monde, je dois vous l'avouer. En fait, il y a une sortie là, une sortie là-bas. Ça se trouve, c'est juste une petite zone. Ah bah, il y a un magicien squelette. Ouais, je vais me le faire. Tout seul, je pense pouvoir me le faire. Voilà. Non, mais ça va être rapide. Ça va être rapide, regardez. Allez. Parfait. Maintenant. Maintenant, go les poils, putain, je le savais. Non, toujours pas la bonne touche, hein. On y arrive pas. Ah, Dana est en train de se prendre une grosse. Il a intérêt à faire une réussite sur son jet de je ne sais plus c'est quoi, les jets comme ça. Oh, c'est quoi cette merde, Seigneur Mommy. Ah, c'est quoi cette double merde? Pour l'instant, Dalin, il esquive quasiment. Ah putain, incubation. Ah, c'est vraiment pas les bonnes choses, ça. Allez, mon petit Dalin. Non, Dalin, il faut pas prendre le seigneur, il faut prendre déjà le squelette invoqué. Voilà, prends la goule. Prends la goule, putain. Ah, Dalin, je crois que tu te rends pas compte à quel point t'es dans la merde, Dalin. Là, il se rend pas compte. Moi ça va, je me prends zéro dégâts. Ah, là. Allez, putain, Dalin, tu prends tellement cher dans ta gueule. Parfait, la goule maintenant. Ah putain, je suis désorienté. Ah, c'est pas le bon strat du tout ça. Parfait, il a pris la goule. Ah, il faut que je fasse une réussite. Putain, échec. Ah, faut que je fasse au moins 13. Bon, au moins il a toujours ses potions. Allez. Allez, personnage. Allez. T'as des jets de quoi? C'est des jets d'esprit, il me semble. Ah oui, je peux attaquer. Ah, c'est fini, parfait. Allez. Oh, Dalin, s'il te plaît, décède pas. Je pense qu'il t'a récupéré. Oh putain, on lui a mis un. Allez. Allez. Ah, mais c'est pas impossible d'être un assis, mais c'est pas vrai ça. Ah, mais Dalin, c'est tellement la merde. Allez. Bon, là c'est les meilleurs strats du monde parce que c'est le meilleur combat. Ah, il y a des points d'armure. Il y a des points d'armure, je crois. Attendez, je me pose voir ce qu'il me dit. Unité absorbe 4 points physiques. Vous n'affligez. Ah, putain. Les attaques sournoises. Ah là. Ah, c'est les meilleurs strats du monde, ça. Non, mais au bout d'un moment, si t'absorbes des trucs. Là. On lui met un. Ah putain, incubation. Ah, ok. Ouais, non. Moi, je préfère utiliser ça. Hop. Je préfère retourner au temple de tir parce que là on est vraiment dans le sale drap. Ah, il nous fout du soin. Ah là. C'était vraiment pas du tout la bonne strat. Ah, ça va être l'épisode des coupures. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Eh ben, on va y retourner et puis on va voir les strats qu'on va adopter. Voilà. C'est hyper. On est de retour devant le portail, donc là, je sais très bien que ça va pas marcher. La strat simple, c'est il y a Dalin qui va se faire frapper, puis moi je récolte le reste. Dalin, tu vas... Attends, à moins que... changeons notre tactique d'attaque. Non, mon distance, je sais pas. Non, pour le moment c'est bon, donc tant pis. Bon bah, non mais ça va être ça les strats en gros. Ça va être, il y en a un de nous deux qui va se faire prendre
en chasse et l'autre va. Voilà. Voilà, Dalin. Non, 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 voilà. Ah, parfait, attends, attends, attends. Voilà, voilà. Ah, attends, si... merde, bon. Eh ben, Dalin va être pris en chasse, parfait. Donc, Dalin, Dalin, je te surveille, hein. Moi, je fais le tour. Je récolte, je récupère les trésors. De toute façon, je vois tes points de vie. Tu t'es fait incuber. Oh, ça me... Oh, nique sa mère. Bon, c'est... Non, c'est le squelette. Ok. Oh, non. Putain. Ah, vraiment. J'ai envie de dire vraiment. Ah, mais vraiment. Ah, là, 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 là. Oh. Ah, bah, là, oui. Bah, en même temps, j'aurais peut-être dû m'en douter. Non, des... Bon, j'ai réussi à tous me les rameuter. Ah, parfait. Ben, non. Non, il faut au moins que j'en détruise au moins un. Celui-là. Parfait, déjà un. Allez, au moins un. Après, ce sera le prêtre. Non, déjà le squelette. Le plus faible en premier. Bon, très franchement, ça peut... c'est pas difficile. Voilà, le magicien. Là, il en reste plus que 3. Allez, allez. Bon, Dala. Dala. Merci. Ah mais Dalin t'as buté le prêtre zombie en fait ou... Est-ce que Dalin a réussi à buter le prêtre zombie? Alors ça par contre ça j'ai très peur. J'ai très très peur de savoir ce qui m'attend quand je vais activer ce truc. Bon ça il y avait de l'argent. Ça va être crocheté et désamorcé. Mais est-ce que Dalin t'as buté le mec? C'est... Je me pose cette question parce que franchement ça m'étonnerait. Oh j'ai fait une réussite, j'ai fait un échec critique là, j'ai 37. Là. Un sort que je peux pas utiliser. Non mais dès mes amorces de piège, hein, je te jure que j'ai le niveau. Ah putain. Ah là là là. Bon, Dalin, on va tous mourir. À chaque fois je me trompe de touche. Ah, nique sa mère, Dalin est mort. Ah non, non je ne peux pas accepter hein. Je n'accepte pas que Dalin soit mort. Moi j'esquive mais lui il se prend les 37 de dégâts. À moins ce qu'on peut faire ce serait d'attendre que la... Ah, attends, Dalin, ouais. Impossible de se reposer ici, what? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi Billy? Voilà. Ouh. Intéressant tout ça. Bon. Dalin, je vais pas te cacher que on est dans la merde. Ah mais j'ai très très envie de voir ce sarcophage, mais j'ai tellement peur. J'ai peur et pour nous et pour le fait qu'on puisse pas se reposer, qu'on ne peut pas se reposer. Donc du coup, ce que je vais faire, hop. Ah putain, c'est impeccable ça, vas-y. Je te fais une deuxième. Hop. Parfait, normalement là on est OP. Dalin, la merde qui sort, on la bute. T'as compris, on a... Ok. Go la sortie, go la sortie. Et bah petite crypte. Le papa franchit son portail. Et bah voilà. Bah tranquille.
Non, je m'attendais à plus dur. Bon, alors Dalin, voyons voir ce qu'on a trouvé, ce truc, ce. Cette. Ouh, cette capuche de vol. Ouf. Capuche de vol. Ah, mais j'ai la même. Eh, c'est un peu débile. Attends. 1, 2, 2. Unité poison, immunité, je sais plus quoi. Merde. 1, 2, 2, immunité poison, unité renversement. Oh là là, oh c'est la même, oh c'est la douille, ah oh, c'est tellement la douille là. On va mettre ça dans le truc sans fond, on va déjà ranger un peu. Bon bah tant pis. Bah ouais, moi je suis déçu. Allez, MEO, ouvrir, voilà, ça m'énerve. Ça commence bien. Voilà. Voilà. Bon, bah Dalin, on a quand même GG. Bravo. Puis maintenant, on va se diriger vers Bois-Souris. On va finir et ensuite on va aller au nord. Voilà. Et pour Bois-Souris, je dois m'adresser au bourgmestre. Au bourgmestre, oui, parce qu'a priori, il y a des choses. C'est le seul qui puisse me parler. Enfin, qui ait les compétences à me parler. Donc, voilà, du bourgmestre Moblet. Là, c'était franchement la joie de voir tout ce merdier. Les maisons, je les avais fouillées tout à la fin de la session dernière. Voilà, il y a quelques habitants. La maison du bourgmestre. On va y aller tranquillou. Depuis 1172. Eh bien, vas-y. Bureau du bourgmestre. Ok, pop, 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 petite maison, deux salles, très bien. Bourgmestre, parfait. Oui? Allez, Je suis bonjour. le bourgmestre Moblet. En quoi puis-je vous être utile? Attends, on t'a fait une voix. Je dois se poser à répondre aux questions concernant notre modeste ville. De plus, c'est une bien belle matinée pour papoter. Parlez-moi de votre ville. Eh bien, dans l'ensemble, c'est une mention tranquille. Seigneur Yareg assure notre sécurité et nous n'aurons pas grand souci à nous faire, très peu. Vous semblez nerveux. C'était pas à moi de le dire, écoutez, je ne veux vraiment pas parler de vous. D'autres questions? Persuasion ou j'ai une chance de merde de réussir? C'est une réussite, c'est vrai, mais je ne veux pas vous causer d'ennui. Nous avons été à l'abri des histoires depuis si longtemps. Le seigneur Carlat Yareg et son frère, quel que soit son nom déjà, ils ont construit un château à flanc de falaise. Cette ville s'est développée tout autour. Très bien. Nous sommes protégés, tout ce qui compte. Il nous a fait consentir qu'il les réveille. Kint, c'est Kint qui a emmené les enfants pour le fait d'organiser le château, était censé lire des histoires, mais c'était un mensonge, hein, mon Dieu! Quelque chose aurait arrivé au château, aux enfants, je veux dire, Kint, c'est sa faute, c'est lui responsable, qui a tout gâché. Je découvrirai ce qui est arrivé au gosse, surtout pas. C'est nous pour une autre source, si tu ne me regarde pas, va te faire foutre. Franchement. Je suis le bourgmestre Mob. Je veux dire, oui. Pourquoi ne vous souvenez-vous de rien? Sans doute parce que je suis trop insouciant, ouais. Je chasse un culte. Très bien, ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose autour du village, une sorte de magie. L'étrange village de Bois-Souris est blotti au plus profond de la forêt du même nom. Il est enveloppé par un brouillard bleuâtre qui semble s'étendre sous une chape de nuit éternelle. À l'entrée, un fou du nom de Kint accueille les nouveaux venus avec des énigmes avant de disparaître dans une volute de fumée sanguinolente. À l'intérieur du village lui-même, les habitants paraissent perdus dans une brume de confusion et d'oubli, répétant sans cesse les mêmes mots dans l'air glacé de la nuit. Le bourgmestre ne fait pas section, bien qu'il semble effrayé par l'idée que quelqu'un s'aventure dans le sinistre château Yarek qui surplombe le nord de l'agglomération. Et l'autre, c'était. Avec la fin de sa longue quarantaine et la présence de son amant, voilà, donc ça c'est tout, là on c'est un résumé. Donc un important indice a été découvert, il semble. C'était bien de Luskian. Il fallait rencontrer le maître des espions à Arkane. Je vais ouvrir ta porte, hein, je te fouille sans aucune honte. Au revoir. Oui, bah de toute façon tu as oublié que je t'ai volé. Hein? Complètement. Complètement, tu vas oublier que j'étais chez toi. Donc, j'ai envie de te dire, je fais comme je veux. Musique? Où es-tu, musique? Musique, tu. Musique? Allô? Ah, la musique elle est disparue. Très bien. Bah, comme tu veux, musique, hein.
Ok, bon, ils ont un petit peu d'or. Putain, il y a même de la. Putain, c'est mal isolé, il y a du brouillard du dehors dans votre maison. Ouais. Donc là, bah, ça va être le domaine Yarai, le nouvel endroit, le nouveau donjon, j'ai envie de dire, de cette zone. Alors, le gars. Salutations. Bonjour, qu'importe, ils ont besoin de se reposer. Pour qui travaillez-vous? Eh bien, le bourgmestre Mollet m'a engagé, je toucherai ma première paie demain, 50. D'accord. Et le bourgmestre a dit que déjà peut-être qu'il m'a donné l'ordre de vous ouvrir la porte. Oui, ça doit être ça. C'est drôle, la serrure tout trouillée est bizarre. Le bourgmestre voudrait sans doute que je la graisse pour qu'elle fonctionne. Oui, ça, je vais chercher de l'huile. Mec, Salutations. mec, ça va? Ok. Ouais, c'est bien. Ouais, il y a un comme un sort qui rôde autour de ce village. C'est ça le château? Putain, ça a de la gueule. Château Yarai, étage principal. Ok. Alors, la zone est en longueur et ça se trouve, il y a peut-être plusieurs niveaux. Il y a une porte dans chacune des directions. Et un coffre à combinaison. Pff, alors ça. Clé des énigmes du château Yarai. Cette clé se trouvait dans le hall d'entrée. Yarai, en compagnie d'un billet, vous enjoint de choisir avec soin entre les trous. Ouais, qui est intéressant. Ce billet est écrit avec un soin méticuleux, mais dans un style étrange. Se trouvant dans le hall d'entrée du château, on dirait une sorte d'énigme. Les trois voies de justice. Le juge doit se montrer prudent et toujours faire preuve de droiture, car l'une de ses mains est brûlée par le feu de la traîtrise et l'autre gelée par les fantômes vengeurs. La vraie voie de la justice est celle du cœur et de la tête, car seule la raison permet de déterminer la vérité, et seule la compassion offre le moyen de connaître les conséquences de cette vérité. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est un choix multiple. Voyons voir ce que me dit la quête. L'étranger, je vous souris. À l'intérieur, on est accueilli par trois portes et une seule clé. La clé dit que les trois portes représentent trois voies distinctes de la justice. Très bien. Alors, dans un temps normal, si je t'enlève, je demanderais un stropole. Là, on a la rouge, la bleue, la verte. Donc, ce serait pour moi. La main brûlée par la justice, celle gelée par les fantômes, et la bonne voie. Commençons par la main brûlée. Et j'ai utilisé la première clé. Oui, on dirait des épreuves. On dirait complètement des épreuves. Fais gaffe à ce que tu fais, Dalin. Ça sent. Franchement. Et j'ai perdu ma clé? Ah oh putain, c'était une clé à usage unique. Un slade rouge. Eh bien, slade rouge invoqué. Dalin! Slade rouge invoqué, slade rouge. Putain, il y a deux slades rouges. Très bien. Oh, ça va être la baisse. Bon. Un sort. Merde. Merde, je me suis fait avoir. Putain, t'as buté le premier slade. Faut buter le slade. Ah putain, l'incubation a commencé! Ah putain, le décès. Oh, d'accord. Le chemin rouge, c'est des slades rouges. On va essayer un autre chemin, tiens, pour voir. On va essayer un autre chemin. Si je prends le chemin bleu. Elle est où la baise? Je suis très tenté de dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne colle pas. J'ai un chemin avec des ennemis. Il y a un chemin avec des objets. Ça se trouve, c'est des pièges et je me suis fait avoir à partir du moment où j'ai pris des billes de fronde.
Bille or de Pharrell. Je les prends, je les revendrai. Il y a un piège quelque part, mais alors où? Ah, j'en sais absolument rien, me demandez pas. Mais il y a forcément un piège. Quelque part, il y a un piège, je le sens. Verrouillé. Ah ah. Attendez, il y a une quoi? Autre lettre écrite. Oula. Ce billet a été retrouvé dans le couloir. Ouais. La vraie voie de justice aussi droite qu'étroite. Même si toute décision s'accompagne de conséquences, vous avez bien choisi et vous méritez votre récompense. Rappelez-vous, cette leçon conviendra pour vous de l'heure du jugement. Ah, je crois que j'ai compris. C'était. D'accord. J'ai compris. C'est un château à énigmes avec des conséquences. C'est-à-dire que si j'avais pris le chemin de droite ou de gauche, il y aurait des conséquences à mon action par rapport à la justice. Donc, la main gauche représente la main brûlée. Enfin, d'ailleurs, je vais la lire. Examiner. L'une de ses mains est brûlée par le feu de la traîtrise, l'autre jouée par le fantôme de vengeur. C'est-à-dire que si c'est pas, ça veut dire que la main gauche, c'est celle qui est brûlée, la main droite, c'est la gelée. Et la vraie voie, c'est celle qui est au milieu, vu que c'est celle dans laquelle on ne doit pas se dégager. Ah là là. Eh ben écoute. Je relève ce défi. Ah, j'ai compris. Mais la porte est verrouillée. Si je la déverrouille, je vais sûrement y avoir un piège. J'aurai raté une clé peut-être. Et c'est à 39 sur 72. What? Que dois-je comprendre? Aurais-je loupé un endroit? Aurais-je loupé un endroit? Un objet? Quelque chose? Ah ouais, j'ai l'air d'avoir oublié ce coffre. Ah, ça va être tendu comme endroit ça. Ah, j'aime pas ça. Je l'aime pas du tout. Un trousseau de clé plus 10, ouais, mais non, moi il me faudrait la clé. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Il retourne au coffre à combinaison, ça va pas le faire. Ouais, non, bah non, de toute façon, j'ai plus la clé. Donc, je vais sauvegarder. Tant pis, je n'aurai pas le deuxième chemin, mais si je l'ouvre. Ouais. Ouais. J'essaye de réfléchir, j'essaye de comprendre en fait. Peut-être que c'est cette fontaine. Si je donne de l'or. Si je donne une pièce d'or à la fontaine. Ça se trouve, c'est une énigme à la con. Mais il n'y a pas de clé. Verrouillé. Ah! Ah, me dis pas que je suis coincé, putain. Ah, me dis pas que je suis coincé déjà. Ah, putain, 39 sur 72. Ah, je suis coincé. Ah, ça m'énerve. Il y a un truc que j'ai pas vu. Soit il y a un truc que j'ai pas vu, soit j'ai fait de la merde quelque part. Ah, ça va m'énerver. Non, la fontaine, les deux coffres. Ah, je ne sais pas, je ne sais plus. Je n'en sais. Ah, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Un disant être. Autre être écrit. Oh là là. Et ah, seule la compassion. La compassion.
La compassion. Il y a un rapport avec cette fontaine. Il y a un rapport avec cette fontaine. Si je mets 100 pièces. Est aussi droite qu'étroite. Héroïde. Ouah, ça m'énerve. Ah, je suis coincé. Je suis complètement coincé. Je comprends rien de ce qu'il faut faire. Ah, je suis coincé. Ah là là là. Bon, bah... Ah, c'est con. Je vais devoir regarder une solution. Ça m'énerve. Bon, eh ben, tant pis. Je vais devoir regarder une solution. Ça va pas prendre 36 ans, mais voilà. Tant pis. Donc... D'après une soluce que j'ai trouvée sur internet, une très vieille soluce d'ailleurs, qui est quand même vachement complète, j'avais raison concernant le fait que la droiture, tout ça, main droite, main gauche, sauf que maintenant il faut que je retourne au centre, enfin au début, que j'aille vous parler à une statue, accepter la quête et voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas du tout, mais il y a quelque chose dans le genre. Il y a quelque chose. Il faut peut-être que je regarde. À moins que ce soit... Oh là là, c'est compliqué. Faut que je... Enfin, ils m'ont dit... La soluce dit, faut que je parle à une statue. À une statue. Je suis vraiment, mais trop con. On voit une statue, une statue. Oh putain. Oh mais quelle merde. Oh le levier. Oh mais le levier. Oh mais quel trou du cul. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors. Ah voilà, le gardien. Voilà. Salutations, juge. Et bienvenue au château Jareg. J'espère que vous avez bien appris vos leçons. Intuition, ce n'est pas moi mon enfant, les inscriptions dont vous parlez ont été gravées ici il y a très longtemps par la Vengelo en prévision de votre revenu. Sérieux? Ah bien, ce crime s'est déroulé il y a si longtemps, les conséquences ont été terribles. Eh bien, dites-moi en plus, c'était un crime de mortel, qui ne pouvait être jugé par un mortel. C'était pour cette raison que le château et les villages ont été extraits du fil de... Les accusés se sont confinés en retour derrière la porte nord sur le frère Yareg. Carlat se trouve dans notre ouest, Kintelot est. Dites-moi en plus, vous devez aller les interroger quant à la nature du crime et obtenir une déclaration écrite sous serment de leur part. Quand vous aurez tous les... Tenez, cette clé ouvre la porte nord qui débouche sur les escaliers montant aux deux tours. N'oubliez pas que le juge doit vous montrer de sagesse et de compassion. Très bien. J'accepte donc. Très bien. Très bien. Et donc là, je peux ouvrir les portes, peut-être. Donc c'est bien. Donc je suis le juge. Eh bien. Très, ok, non. Je d'accord. Très bien. Le. C'est. Oh là là, c'est. Donc. Voici. Je vais aller voir à l'est, donc. Dans la première tour. Ah là là, c'est compliqué. Appartement de Kint. Oh, mais vous êtes sérieux? Ah, mais me dis pas que c'est piégeux. Piégé, mais... Rôdeur. Eh ben, si. Oh là là. Ouais, quand je suis les dents. Donc, je suis dans un rôle de juge. Je suis complètement dans un rôle de juge avec une créature qui pue, qui a 99,9% de chance de me foutre une incubation de merde. Prenez garde à ma colère. Oh là 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 là. Très bien. Et moi, mon but, c'est d'être le juge. Putain, mais alors déjà, juste... Non, il faut que je sois droit. Là 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 là. Dalin. Dalin, fais gaffe, il y a des dalles piégées. C'est super, cet accueil. Chut. Des momies. Oh là là, oh putain, une blême. La blême en first. Non, la momie, putain, incubation. Incubation, il maudit. Oh, c'est bon ça. Ah,
Ah, mais du caca, s'il te plaît, plein de caca. Ah, puis on est tous les deux incubés. Oh putain. On souhaite d'XP, c'est déjà ça. Ok, donc ça, j'en déduis. Verrouillé. Ah lol. La rage du tigre rouge te déchaîne. Laboratoire d'alchimie avec des momies, des trucs. Tu frappes à travers le mur d'un... Ah non, ça c'est un sort de peur. Trop bien. Très, tellement bien. Allez, la deuxième. Oh, mais c'est... J'ai tellement rien en volonté. C'est nul. C'est moche ce qui m'arrive. D'accord, j'ai des bouteilles vides. Ah, ça va être utile. Trousse de premier secours. Et une lettre de Queen Yarek. Oula. Alors, ces instructions chargées que vous aviez requis lors de votre... D'accord. Ok. J'ai entendu un gamin. J'ai entendu un enfant. Une salle juste ici. Qu'est-ce que c'est... Merde. Dalin, faisons vite. Heureusement, ce rôdeur n'est rien. Where is the fuck? Murme sainte. Oh non, pas. Je m'occupe de cette merde. La blême en premier. T'occupe de la blême. De toute façon, on est déjà incubé, on peut pas être pire. Par contre, on va devoir se reposer, Dalin, parce que nous sommes en très très mauvaise posture. On va récupérer un peu, même si on a incubé. Je pense qu'on peut s'en tirer pour le moment. Cet étage est extrêmement grand. Je pense que là, ça va être extrêmement compliqué. Oh putain, il a récupéré de la maladie. Parfait. Et merde. Bon, les urnes saintes. Qu'est-ce que c'est? Mais j'entends des gamins. Ah mais oui, Kint. Oh, je m'en souviens. On m'a dit que... Bah, c'était il y a 5 minutes. On m'a dit qu'il avait envie des gosses. Freeze, motherfucker. Et donc là, j'atterris au sanctuaire. Une urne. Maintenant, go. Les momies en premier. Non, on va se mettre à deux. Mais faut se mettre à deux, Dalin. Faisons une sauvegarde. C'est le meilleur strat à faire. Ouais, une goutte de la dévastation. Ah non. J'arrive quand je peux, Dalin. Non, mais te fous pas de moi. Mais le jeu, s'il te plaît. Putain, mais... J'ai peur, incubation, putain.
J'arrive quand je peux. Non, parfait. Je m'occupe. J'arrive. La momie. Mais j'ai zéro. En tout cas, en volonté, j'ai juste zéro. J'ai rien. Je suis faible d'esprit. C'est à lui de l'atteindre, le seigneur de l'aube. Là, il y a un petit peu de sang. Donc, je ne sais pas ce que t'as fait, ni ta réputation, mais tu dois pas être cool. Ok, nous sommes à la statue. La statue sera notre point de repère avant de nous barrer de là. Exploration tout le côté est. Tout le côté est, on va faire comme ça. Il y a quoi ici? Bon, il y a 2-3 rôdeurs et un alip. Je prends l'alip, tu prends le reste. Ah oui, attends. Je sors. Voilà. Allez, allez, attends. Ah, il est tout derrière la porte, il s'est craché. Attends, là. Voilà. Le bug de la porte. Ce bug classique. Ah, et si on arrivait à monter de niveau dans cet épisode 100? Oh, ce serait bien. Alors, par contre, ce serait comme tous les épisodes, c'est-à-dire que... tous les à peu près une heure de récap pour moi, je ferai une petite save. Voilà, petite save au cas où du record, et puis on fera ça de montage, voilà. Bon, on a incubé tous les deux. J'ai oublié de prendre mes pièces. Il y a des gosses, putain. Il y a des gosses, Dalin, je les entends. Oui. C'est... Oublie. Je me suis trompé. Faut juste voir les caisses. Bon, en tout cas, c'est ma stune. Hein. Putain, je suis déjà à 95 sur 110. On va se reposer un peu. Histoire de voir si l'un de nous récupère de la maladie. Ah, il y a Queen Yared. Ouais, tu sais quoi, on va faire mieux. On va faire tout jusqu'au milieu. Et puis après, on va voir la statue. On va voir lui. On va voir toutes les portes. Et on va se décider. Mais il a récupéré la maladie. Et t'es très fort pour récupérer des maladies, toi. T'as une capacité de récupération qui m'impressionne, Dalin. Peut-être le fait que tu sois un poil plus fort que moi. Voilà. Et donc, dans cette salle, qu'y a-t-il? Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Je viens rendre la justice. Enfin, je viens... Je suis la justice selon le gardien de la tour. C'est le gardien de la tour qui l'a dit, je ne vais pas remettre en cause son jugement, merci Dalin. Je pense que je vais t'augmenter un moment, t'auras une prime de risque. Parce que tu la mérites, ta prime de risque. Hein. Je pense que 2000 pièces, voire 10 000, seront convenables. Parce que j'ai un petit peu trop de thunes, je ne sais pas d'ailleurs où je cache. Enfin, comment je fais pour transporter toute cette thune qui est à moi et que j'ai volé à... Allez, 60%. Voilà. Attends, Dalin, j'ai vu quelque chose. Dalin, qu'est-ce que c'est? Non, mais dégage, Dalin. Oh là là, je peux pas viser le coffre. Les bits de glace. Bon, les bits de glace, on va les vendre. Reste ce coffre. Et cette porte cachée. Cette porte qui cache des choses. Allez, un sort. Très bien. Ça te dérange pas, je vais essayer de récupérer de la maladie. Hein. Je vais pas te mentir que je suis un petit peu dans la merde. Mais très légèrement. Hein. Tout petit peu. Oh, j'ai récupéré de la maladie. Oui. Par contre, j'ai toujours cette constitution des crues. Putain. Attends. Alors, excuse-moi. Non, même pas. Alors, et c'est un coffre. Un coffre. Avec la clé de Quint. Cette clé permet d'ouvrir la porte de la salle dans laquelle Quint Yared est enfermé. D'accord, j'ai la première clé du jugement. Ah, je vois. Bon, on va faire face à un... Là, le blême.
là le blême, voilà. Le blême, même pas la mort en fait. Là, il y a une momie. Ainsi. Ah, yeah, trop bien. Oh putain. Effrayé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais comment peut-on faire aussi nul? Non mais. Dalin, l'incubation, la maladie. Allez. Parfait. Un demi-problème de régler. Un piège déclenché. Ergue. Les ennemis sont proches. Regarde-moi un petit peu de ce côté. Je vais pas te cacher d'un mec avec 41 points de vie. Attends, non, on va faire mieux. Voilà, bon. Pour ma constitution, je peux rien faire, ça me fait chier. Bon, là c'est quoi? C'est une salle. Avec un livre taché de sang. Wow. Y'a rien de bien folichon là-dedans. Allez, les momies, tu lances ton sort. Voilà. Ah, j'ai réussi à m'en sortir avec une volonté de 12. Et alors, Dalin. Lui, il a pas peur. Dalin, il a pas peur. Hein, les zéro souci. Putain, il y a un blême. Non, le blême. Pas maintenant. Dalin, s'il te plaît. Oh. Oh, mais c'est pas vrai. Mais regardez ce pauvre faible que je suis. Ah, ma volonté, je l'augmentais au bout d'un moment. Faudrait que... Je crois que j'ai un objet pour augmenter ma volonté. D'ailleurs, faut que je la retrouve. Ah, mais trop faible, hein, à ce point. Ah, putain, hé. Bon, des squelettes. Dalin. Voilà, regardez ça. On est entré, on a vu, on les a cassés. Topaz. Petit vin. Hein, parce que... Dégage, Dalin, dégage des choses, bordel. Enfin, le curseur sort. Ok. Oui. Non, dégage. Arrête. Des flèches de foudron, on les revendra. La caisse. La petite potion, je garde. On va continuer tranquille, donc on va aller dans cette pièce, hein, qui est un livre d'acheté de sang. Ça fait pas peur, ça, j'ai envie de dire, on en a vu d'autres, hein, parce que non seulement c'est blême, c'est de la merde. Hein, complètement de la merde. Mais alors bien comme il faut. Voilà, là, alors là, on est parti pour s'amuser. Il a quand même réussi à tuer un blême. La peur au ventre. Mais là aussi. Non. Oh bah bravo. Ah, juste bravo. Dalin, ici. Dalin, ici. Ah non, c'est bon. De lecture, c'est nul.
Alors, on va voir son fameux livre tacheté de sang, là là. Alors. D'accord. Bon, alors j'adore comment vous représentez ce truc, hein. C'était le livre d'un enfant, c'est pour ça que j'entends des voix d'enfants dans partout. Faudrait que j'aille là et que j'aille parler au sanctuaire. Enfin, à la statue. Petit anneau, bon. Ce coffre, il brille, il a l'air piégeux. Ah ouais. Ah, je l'ai pris des pics, je le savais. Traité de la mort d'Imascar. Ce lourd grimoire est en triste état qui est marqué d'une ancienne rune qui signifie mort. Le passage intéressant est le suivant. La glande à soie de l'Ethercap produit une substance qui accroît les propriétés des autres réactifs tout en accélérant leurs effets. Tout ce qui explique qu'elle soit si demandée par les magiciens. La phalange de squelette a un excellent choix de réactifs à combiner avec la glande, car leur osmose provoque des trous dans la trame de l'existence, qui permettent aux porteurs de l'os de devenir temporairement invisibles. Le résultat devient plus stable quand on y ajoute le sort invisibilité suprême, qui permet de mieux contrôler les frontières entre la magie, la vie et la mort. Je prends. On va faire demi-tour, on va voir le test, et puis on va parler à la statue, et je vais couper le record, parce que ça fait plus d'une heure pour le moment que j'enregistre, et que je n'ai plus de café, donc du coup, il va falloir que je m'en refasse un petit. D'ailleurs, j'essaie de faire en sorte que vous entendiez le moins possible cette tasse. Parlons-lui. Sauvegarde. Parlons-lui directement. Tachée de sang et souillée, cette statue de l'entrée de l'aube est froide, touchée. Aucune force divine ne semble l'aide. Ok. Très très bien. Donc, tachée de sang, ça a servi à un rituel pour des gamins. Mec, franchement, t'es pas cool. Ok, bah j'ai visité cette salle. Bien. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais faire deux saves. Je vais faire deux saves. Ma quick save. Ainsi que la mission, le scan que je ne ferai pas, évidemment. Et puis, je vais faire une petite pause. Et vous avez la suite dès maintenant. Voilà, impeccable. Du coup, retour au menu principal. On va quitter Neverwinter Nights parce que. Voilà. Oh, c'est tellement beau la magie du montage. Regardez, c'est déjà la fin de ma pause. Hein. Par contre, évidemment, l'heure n'est plus la même. Du coup, je bois de l'eau. Que vais-je faire? Je vais faire le. Putain, il y a deux livres tachetés de sang. Cool. Bah, je vais faire le tour. Je rappelle que j'ai toujours 41 points de vie, ce qui est ridicule. Ah, je déclenchais un piège. Oh oui. Oh putain, ouais. Tiens, le temps de la potion. Ah, mais Dalin, mais non, mais pas toi. Ah, mais moi aussi, là. Oh là là. Ah, mais quel monstre de merde. Ah mais là on est sur un épisode de merde. Là je vous le dis, on est sur un épisode de nul. Hein, mais complètement nul. Là c'est l'épisode où je suis mais faible. Ah merde, c'est déjà la cage. Ah merde, ah bah on va faire le tour. Oui alors merde. Le jeu calme-toi. Un piège à 19, ok, un piège à 20. Non merci. Oh, bah, je vais me reposer, Dana aussi. Le premier qui guérit de ses blessures gagne. Ah bah niveau absorbé, alors là. Je pense que là c'est trop bien. Constitution moins 1. Oui, 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 tout à fait. Ah oui, oh j'aime ça la douleur. Dana, où es-tu? Non, oui, viens, allez, voilà. Tu es mignon. Oh là là. Là, ce qui va se passer, de toute façon, c'est dès que j'ai fini cet étage, je vais aller me soigner à Port-Liast pour la deuxième fois.
de sur là. Oh, mais regardez-moi ce faible. Oh putain, puis il y a des monstres de l'autre côté. Ah, mais non, mais il me rejoint pas. Mais quel. Mais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh oui, esquive. Oh là 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 là. Ah, mais regardez-moi ce blême. What? What? Hein? Je suis mort alors que j'avais tous mes points de vie? Oh le sel! Oh tout ce sel! Oh tout ce sel! Tout le sel que je récolte là! Là il y a du sel en masse à recueillir. Là, ouais. Là, c'est le... Ah, c'est horrible ce qui se passe. Bon. Là, il y a un boudac. La mort, t'attends. Oui. Surtout quand on a une... Oh, t'as une... Oui. Oh, pause. Oh, what? Ah non. Ah ça y est, on est sur la partie dure du jeu. On est sur une grosse ambiance là. Là on est sur une ambiance petits oignons, qualité, tout ça. Ah là c'est les ambiances, donc on va pas faire la même erreur deux fois. On va hop aller direct sur la gauche. On se remet la map. On va trouver là, voilà. L'homme de main, mes couilles m'habitent. Les deux hommes de main, même. Les trois hommes de main, voilà. Ainsi que le petit Alep. On va faire en sorte. Là, je pars avec le plus gros handicap du monde, c'est-à-dire la moitié de ma vie. Total. Je suis sur une moitié de vie. Franchement, ça m'énerve. Projetage réussi. Des cailloux. Bah écoute, très bien. Alors, là-dessus, on a un deuxième livre d'enfants. Donc ça correspond aux deux enfants que Quint aurait emmené. Oh, les ennemis proches. J'ai pas un sort ou un livre ou une merde comme ça pour me remettre tous mes trucs. Putain, mais j'avais tout bien rangé, maintenant c'est le bordel. Bon, allez, maintenant le bois, le Kodak, je sais pas. Le monstre qui est censé être ici. Voilà. Ça, cette merde. Putain, il lui a mis 14. C'est quoi le Bodak? C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Oh what? Oh what? Ouais? Alors je vais éviter de continuer sur cette lancée. On va se barrer. On va totalement se barrer. Oh regardez le blême. Il va me donner sa maladie, il va me faire peur. Bon, je prends ce sort. C'est quoi le sort que j'ai récupéré? Voilà. J'ai récupéré quoi comme sort? Tu veux pas me le dire, ok. Oh, mais regardez-moi ce faible. Regardez-moi cet homme faible. Oh non, 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 juste non, juste non, juste non, juste va bien mourir. Oh non, mais... Ah mais oui! Ah mais oui! Ah non, 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 oh, oh là, oh là, oh là. Ah non, Dana, il va mourir.
Rappel à la vie. Merde, c'est quoi le sort de rappel à la vie? Ah merde, Damien. Damien, où es-tu? Non mais de toute façon, je crois que j'ai compris, là la zone elle est pas faite pour moi. Là ça fait déjà 10 minutes que je galère, je pense que vous n'êtes pas... Que vous ne voulez pas voir ça, donc on va se barrer. Là la zone en plus avec tous les malus de merde que je me suis pris dans la gueule, non merci. Donc on va aller direct libérer Yarek, mais Yarek Queen, machin Queen. Queen Chareg. Donc la porte, je la sens pas la porte. Ok. J'en déduis que c'est sa chambre. Avec des coffres à piéger. Des armoires. Là, c'est simple, dès que j'ai fini et dès que j'ai parlé à Yarek Queen, je récupère sous serment son message. Et puis on va refaire une ellipse hein, pour me guérir, hein, évidemment. Alors, pile de livres. Oh, journal intime de Quint Yarek, lisons ça. 2 jours avant la nuit du solstice d'hiver, 1183 CB. Comme il est étrange que Carlat m'ait demandé d'organiser une fête et d'y inviter tous les enfants du village. En général, il déteste quand 2 ou 3 d'entre eux viennent demander que je leur lise des histoires. Tous les enfants du village, jusqu'au dernier, a-t-il répété 100 fois. Je les avais tous dans la bibliothèque la nuit du solstice d'hiver. L'affront soit allé. On dirait finalement qu'il a un cœur, le vieux Grigou. C'est souvent le cas avec les enfants. Ils vous rendront de bonne humeur, que vous le vouliez ou non. Bien, allons annoncer la bonne nouvelle au village. Donc ce serait un coup de son frère. Il y aurait eu des sacrifices d'enfants sur l'autel de l'Afrandre. La Cendre, je ne sais pas comment on dit le nom de cette divinité. Mais c'est un indice. Donc actuellement ce serait il se serait rendu coupable de complicité. Et merde. Ah bah oui, ah oui, ah oui, ah j'adore. Ah j'aime ça. Putain. Je suis extrêmement vulgaire, mais je dis vraiment ce que je ressens là. Ah oui, ah oui, ah oui, ouais, ne passe pas les portes, sinon le jeu serait non seulement plus facile. Allez, allez. Oh, mais quel jet de... Mais quelle volonté de merde. Oh, tu es là, salut. Je suis à toi dans 5 secondes. Oh oui, incubation. Mon... Il est passé où? Putain, il est là-bas. Mais non, mais reviens. Mais qu'est-ce... Mais pourquoi t'es coincé dans le mur? Mais quel con. Oh mais oui. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh là là oui. Oh là là oui. Ah oui. Ah oui. Allez. Oh là là oui. Oh là là. Oh, c'est très énervant. Je vous assure que c'est énervant.
Oh, bien sûr. Oh oui. Alors ça. Ah, il faut absolument que je mette un truc pour la volonté. D'ailleurs, je vais chercher de suite. Ah, ça devient extrêmement ennuyeux. J'ai pas un anneau d'or. Un anneau des érudits. Ah. Savoir plus 5. Non, c'est pas ça. Un anneau de Solomon. Ah, j'ai pas un truc avec de la volonté, moi. Mais. Il ouvre. Ouais, je ne peux pas l'ouvrir. Oh là là. Allez, voilà. Non. Ouais, tu rentres à la maison, moi aussi. Amulette de volonté, ouais. Équipé. Le 1 plus 3. Un plus 3 de volonté, franchement. Ça peut changer. Ah mais vous foutez de moi, je ne peux pas, il faut que je prenne la vraie porte. LOL. Ah déjà avec plus 3 de volonté j'arrive mieux. Ah c'est bizarre. C'est étrange tout ça. Allez. Oh mais non. Ah mais c'est... Ah, le jeu, tu vas commencer à m'énerver. Oh oui, alors ça, très bien. Ah, oh, faut que je prenne. Attends. Est-ce que ça me met le même message? Est-ce que ça me met la même chose? Dalin, c'est... Dalin, ne sois pas con. Bon bah voilà, il fallait juste faire un jet supérieur à 34. Ha. Mais non, Dalin. Voilà. Espèce de débile. Dalin débile. Alors, ok. Au profond. Non mais Dalin, oh là là. Alors. Es-tu Quint? N'ai pas Yarek plus maintenant. Mon déshonneur est tel que je ne peux suivre le nom de mon père. Avez-vous vu un fantôme enlever les enfants du village? C'était moi, les remords et les cadeaux que j'ai reçus. Voyez-vous encore et encore. Venez-en en fait, j'ai fait la lecture aux enfants, je les ai vu mourir devant mes yeux, mais pas Carla, non, je lui ai volé son phylactère et je l'ai donné à la fronde pour que celui-ci... Ce journal est-il bien le vôtre? Ton journal est-il? C'était dans le draft, je n'étais pas fou à l'époque, j'étais différent, mais je suis sûr qu'il ne révèle rien de nouveau. Vous pensez qu'il s'agira juste d'une fast win, faites faire le nap pour le faire... J'étais bonne foi, vous savez. Ce qui est écrit... C'est ce qui est écrit là. Acceptez ou le coucher. Ça, la déclaration sous serment. D'accord. Mais poursuivez. J'ai volé son phylactère, je me suis enfui. J'en ai deux des sermons de lui. Sermons de... Ouah, j'en ai deux. Ouah, j'en ai deux. Putain, mais enfin, on peut en faire popper combien? Je viens en tant que juge.
Faut que je retourne voir la statuette de Lafronde pour récupérer le phylactère. Je ne suis passé par où? Je suis passé par là. Ouais bah attends. Oh, fous-toi de moi. Là j'ai complètement niqué le jeu. Voilà. À ce stade du jeu, je peux dire que je l'ai pesé. Donc il faut que j'aille voir Lafronde pour récupérer le phylactère. Si j'ai bien compris, sanctuaire de Lafronde. Oui, il faut que je récupère le phylactère. Est-ce que je ne l'ai pas déjà récupéré? Ce qui serait fort probable. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi il ressemble ce phylactère. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Tas de crâne. Oh lol, il y avait un drop. J'ai peut-être raté un truc. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose. C'est pas possible parce qu'il me semble que le phylactère, ce serait bien si je l'ai. Ça serait con. Du coup, je vais juste vérifier si, où il est. Voilà, ça va prendre 10 secondes. Je suis désolé si je fais plein de coupures, mais et voilà. À tout de suite. Donc, j'ai un peu cherché et le phylactère, je sais pas ce que c'est, ça doit être dans l'autre tour, je pense. Et j'en ai profité pour m'enlever toutes les malédictions, revendre un peu de bordel. Et voilà, du coup, on va s'attaquer à la deuxième tour, celle de Carlate. Voilà. Parce que... Ah, celle-là, ça a l'air un peu mieux, même si je sens que ça va être chiant. Ah, alors, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé, mais ça rame du cul. Oh, putain, des éléments. Ah, mais oui! Non, 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 les slades rouges. Ah, mais oui. Oh là là, ça rame tellement du fion. Ah là, ça rame tellement du fion. Ah oui, ça rame du cul, là. Ah putain, le jeu, si je dois redémarrer là, je te hais. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un petit drop. Il y a un petit drop là. Oh, une potion de soin important. Cool. Ah là là là. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça va me faire. Non, mais ça rame de trop. Ça rame de trop, ça rame de trop. Là, je suis désolé, je pensais pas faire autant de. De quête que ça, mais je vais redémarrer le PC et je vous reprends de suite. Donc, je disais ah mais non mais ça rame du cul. Ah mais même en redémarrant l'ordinateur ça waouh. Ah et surtout Dalin ne fait rien. Putain mais ah non pas les slades. Ah les slades c'est de la. Ah non, il faut niquer le slad original. Voilà, quand c'est la créature invoquée et désinvoquée. Merci la carte. Non, bah. Putain, je vais y arriver à sélectionner le drop. Putain, mais vous avez que du caca dans vos. J'ai envie de dire que du caca dans les raviolis, mais non. Ah. La langue de slad. Ah, c'est, donc c'est tout dégueulasse. Un sort de résurrection, c'est bien. C'est cool, écoute. Une barrique. 2 plus 7. Là, il y a un coffre rouge qui brille. Regardez, il est beau. Oh, regarde mon coffre, comme il est beau, il brille. Ah, la potion de soin intensif. Ah, mais je prends. Le piège, on le désamorce. On ne va pas tenter de le récupérer. De toute façon, le piège, ça ne sert à rien. Ah, ça va être un petit étage. Ça va être moins compliqué que l'autre. Oh, une baguette incandescente de Carlate. Main brûlante. Ouh. Et la clé de Carlate. Clé de Quint et clé de Carlate. Très bien. Lançons-nous un petit peu. Il y a une porte de trois objets. On va aller là, on va faire un surprise.
Ah merde, le slab, le slab. Le slab rouge invoqué, on s'en fout. Allez. Le slab, il est pas fort, en plus il est faible. Ah par contre après on va ça avec le repos. Allez. Putain, qui l'a soigné? Bah par contre moi je vais me soigner. Voilà, ça c'est un peu. Allez, voilà. Impeccable, voyons voir les petits drops. Les langues de slad. Des drops fixes. Ok. Oh mais ça rame, je ne sais pas pourquoi ça rame. Ah le jeu, qu'est-ce qui se passe? T'as un message à me faire passer? Hop, oh, il est passé où? Il est où? Il est où le slad original? Là. Là. Critique, bah critique à moitié blessé. Allez, et là il y a une simple invocation. Pour invoquer quoi? Me posez pas la question, je ne sais pas. Par contre, je suis à deux doigts de me prendre le piège. Ah, par contre, la potion va s'imposer. Voilà. Putain, il s'est mangé le piège d'Alain. D'Alain, tu t'es mangé le piège. Tu t'es mangé le piège nul. Ouais, t'as raison. Putain, une potion. Ah, journal intime. Merde, j'ai tapé le micro, désolé. Nuit du solstice d'hiver, 1183 CV. Je me sens en partie coupable d'avoir piégé mon frère afin qu'il commette ce crime, mais c'était nécessaire. Je me fais vieux, mais mes recherches ne sont pas achevées. Ces étendues gelées ne sont peu hospitalières, mais quelle énergie magique. Si seulement je ne craignais plus la mort. Mes recherches pourraient se poursuivre sans cette échéance commune à tous les mortels. La voix de Quint me parvient depuis l'autre côté du mur. Il lit une histoire aux enfants de la bibliothèque. Je les entends qui rient. Belial me le dit qu'ils doivent mourir ce soir, eux tous, tous les enfants de Beausouris. C'est un acte odieux, mais c'est pour le bien de tous que je vais le commettre. Le sang doit couler ce soir pour que je lie mon âme à ce phylactère. Ah ah! On n'en sait plus, j'aurais effectivement dû... Non, ta gueule, Talin. J'aurais effectivement dû commencer par cet étage avant de faire l'autre. Oh la langue de slad. Donc je suis dans une salle d'invocation. Alors, la faible lueur du cadavre ne vous permet pas de déchirer. Ok. Je vais partir, je vais pas le faire pour le moment. Juste crocheter ce coffre. Ouvrir la porte qui mène un petit peu plus loin. Je vais juste remonter ici. Une petite pièce. Non, merde, reviens. Donc on en sait un peu plus. Donc Belial, je crois que je l'ai déjà vu. Belial, j'ai dû l'invoquer une fois, je ne sais plus quand. Belial serait l'autre. Belial serait en partie responsable, non, le slad rouge évidemment. Toujours le slad. Les slads, je sais que direct. Maintenant, je sais qu'ils invoqueront directement une créature invoquée. Ah, je suis incubé, putain! Oh non, c'est quoi comme malus? C'est étourdi. Ah la. Ah la. Oh, alors là, non, l'incubation, là, ça va. Ah, mais attaque! Voilà, ça c'est bon. Parfait, Dalin. Viens, on va se soigner de l'incubation. Ah, parfait. Ah, ça m'a pas soigné de l'incubation. Parfait, ça m'a soigné de l'incubation. Stop! Ok, les veuves. Non, personne n'est verrouillé. Mais... D'accord, j'ai cliqué pourtant. Oh, baguette de protection de Carlotte. D'accord. Main brûlante. Dis-moi des baguettes de feu.
Des baguettes de protection. Des dents de bocal, des phalanges de squelette, des yeux de rein. Et les abdomens. Ok, je crois comprendre pourquoi il y a tout. Il y a un. Adrien. Merde, j'ai vu un objet. Le vent dans l'âtre. Qu'est-ce que. Le vent dans l'âtre. Je crois qu'il y a un. On a des livres, mais. J'ai vu un drop là, quelque part. Il y a un drop buggé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai récupéré? C'est un livre que j'ai récupéré? Oui, le vent dans l'âtre, je m'en fous. Ouais, mais ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, si je me trompe pas, on a tout un rituel pour invoquer un démon. Je dirais que ce démon se nomme Belia. Oh, jolie armure. Oh, 40 poids. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à porter. Ouais. Ouais, du coup, c'est pas une armure pour moi, je pense ça. C'est pas une armure pour moi. Mais là, je commence à cerner ce qui se passe, ouais. Je crois que Belial est dans le tas. Ouais. Belial est d'une quelconque façon lié à ce qui se passe. Et donc peut-être que ce qu'on entend, libérez-moi s'il vous plaît, c'est les âmes des enfants morts. Et ça veut dire que si on les entend, leur âme est coincée sur Terre et il y a peut-être moyen de les libérer. On dit des trucs, on espère des choses. On espère pas dire de la merde. C'est surtout pas les couloirs. Mais ferme pas la porte. Espèce de débile. Ouais, ouvrons cette porte. Oh, il y a un scarabée de feu. Ouais, je l'ai vu. Il y a un scarabée de feu. Il y en a trois. Bon, les scarabées de feu. D'Alain, merci. Les scarabées de feu, c'est... Très franchement, voilà. Attends. Voilà. Les scarabées de feu. Ouais. Ah, attends. Un élémentaire, je... Ouais, bah non. Ah bah, vas-y. Je sais que tu peux le faire, Dalin. Débrouille-toi tout seul, ouais. Scarabée de feu, donc de cela, du sang. Ouais. Tout ce qu'il faut pour faire des potions là. D'ailleurs, j'avais une recette pour faire une potion dans un brasier. Oh, est-ce que je l'ai encore la recette? Parce que mine de rien, je peux peut-être la faire. Parchemin de créature, parchemin d'histoire, journal intime de voleur, parchemin d'histoire, lettre à Neva, ancien parchemin. Non? Non. Non plus. Non. Ah, je l'ai plus la concoction de la concoction de potion. Ah, c'est con. C'est con parce que j'aurais pu faire la potion. Donc doucement, à côté du piège d'Alain. Tranquille. Ah, il y a un stade. Voilà, bon là le drop c'est une langue de slad. Lol, le piège nul. Oula! Des molosses sataniques, ouais. Alors, si avec satanique dans le nom, on me fait pas croire qu'il y a quelque chose de dégueulasse qui s'est passé. Là j'ai envie de vous dire. Ouais. Ok, et puis quoi encore? Ah, parfait.
je pense qu'il n'y a plus personne ici. Parfait, donc ça fait une autre porte. Il y a du petit loot. Il y a du loot. Quelques pièces, des flèches acides. On ne sait pas ce que c'est. Ah, c'est des flèches acides, ouais. Là, c'est juste une remise en fait. Bon, et ben on avance là. Là déjà on avance bien. On avance déjà plus vite que l'autre étage. Enfin que l'autre tour. Oh oui, des slades rouges partout. Oh oui, j'aime ça. Oh oui, étourdi. Oh oui. Ah, puis j'ai pas sauvegardé. Oh, c'est tellement bon quand tu sauvegardes pas. Ah oui, c'est tellement bien. Oula, j'étais loin. Oula, ouais. Ben, on va aller tout droit. Voilà, on va pas tout refaire, on va aller tout droit. Voilà. Ah bah, il y en a deux, parfait. Mais allez, décède le slab. Voilà. Allez, maintenant c'est d'à côté. Ah, puis il y en a deux là. Ah, c'est parfait ça. Ah oui, incubé, mon gars. Étourdi en plus, bah oui. Ah putain, ils sont à 3 sur ma gueule. Ah putain. Ah, ça m'énerve. Ah putain. Ah, ça m'énerve. Puis-je toujours pas sauvegarder? Ah, c'est énervant. Ah, que c'est énervant. Bon. Là. On va tricher. Voilà. Oh, puis c'est lui qui est étourdi. Oh là là. C'est con, je voulais pas... Ah bah alors là non. Ah pas du tout, ouais. Ah surtout pas même. Incubation, alors là tu te la carres où je pense. Là tu te la carres totalement où je pense, ouais. Voilà. Hop. Goûtez à ma colère. Non, toi. Hop. Voilà. Ah mais totalement, ouais. Mais c'est sérieux ça. Mais regardez-moi ça, comment j'ai pas de vie.
Mais c'est pas honteux ça. C'est honteux ça, putain. Putain, c'est honteux et Dalin, il est en... Oh là là. Alors déjà, moi... Hors de question que... Ah, hors de question que l'accumulation, elle reste. Et je dis hors de question. Voilà. Ah, va falloir que je me mette un bonus au premier secours par contre là. Prochain niveau je crois là, les premiers secours ça va être obligatoire. Ouais, je vais parce que là c'est sur 17. Ouais, sur 17 putain, c'est énorme. C'est comme c'est même conséquent je dirais. Donc là on va tout droit, ouais voilà, car la Tireg. Allez, encore allez, deux autres comme ça. Voilà, allez. Non, c'est parfait. Ah, il y a tout le monde. Alors là on s'amuse. Parfait. Bon, déjà, ça va être réglé. Ouais, ça va un petit peu. Énorme élémentaire de feu, bah oui! Allez, boum, élémentaire! Mais putain, sérieux! Mais va te faire! Ouais, je suis énervé. Là, ça va être la partie où je vais insulter, où je vais injurier toute la famille des monstres. Là, ils ont même pas de temps, l'autre il attaque, tu meurs. Là ça va être à base de triche. Ah allez. Non, non, la même fille de connasse. Mais attaque, merde, critique. Voilà. Non mais Dalin qui se prend des 17, des 19. Non mais Dalin tu vas pas mourir. Non mais s'il te plaît Dalin, voilà. Putain. Oh là là. Putain, y'en a. Oh c'est putain. Oh la putain. Ah mais non. Ah mais non mais Dalin. Ah mais non mais Dalin fais pas la. Dalin. Putain mais Dalin fais pas la con. Dalin. Oh là là. Oh là 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 là. Putain mais Dalin arrête d'attaquer tout le temps H24. Bon allez. Là on y croit, là on y croit. Il faut ouvrir les portes, allez. Go. Allez. Élémentaire de feu. Là, voilà. Allez, problème il est réglé. Putain, il y en a un deuxième. Allez, Dalin! Merci! Donc, déjà fouillé. Alors là. Alors là. Ouh. Oh, ça m'énerve. Ok, oui. Non. Je me souviens pas. Il m'est si difficile de relier les pensées les unes aux autres. Je suis le juge. Alors. Mm-hmm.
Et je me suis entraîné avec Kint. D'accord. Voilà. Sauvegarde. Voilà. Donc, voyons voir. Nanana. De quoi? Il supplie qu'on le punisse pour ses crimes. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on doit voir. Alors, là maintenant, ça va être la partie spoiler. Je vais rendre le vrai jugement. Je vais aller un peu plus loin dans la scène et dans la solution. Je sais comment libérer entre guillemets. Enfin, je pense savoir comment libérer le village. Ça va être la section spoil. D'accord, il y avait un piège. En fait, normalement, si j'ai bon. D'abord, je vais sauvegarder. Normalement, c'est ici. Alors, entamer la lecture de l'ouvrage. Mes recherches visant un conjoint était mon bélial, seigneur du feu, se poursuivent. Il s'agit d'un travail. Toi, il me faut préserver car seul Bélial connaît le phylactère que je recherche. Un calice, si son Dieu serait détruit. Oui, Bélial, seigneur du feu, qui l'habite. Il faudrait également du feu pour convoquer l'éclair que l'abdomen de Scarabée, le bon ingrédient, mais quel sort adapté. Je lance sur le bord de zéro tous les sorts de feu de haut niveau que je connais, mais c'est un donné. Je vais me lancer sur le niveau intermédiaire, mais ça ne produit rien de plus. Il ne reste qu'un, mais il ne peut s'agir que je n'ai pas lancé depuis ma tendre enfance. Pourtant, il me faut essayer. Donc, j'aimerais utiliser. À partir. Donc. Comment je le convoque, Bélial? Parce que oui, le truc c'est bien, mais merde, je fais comment? Ah voilà, peut-être là-dessus. Non. Le sort que j'ai récupéré, les mains brûlantes ou flèches enflammées. C'est un des deux. Donc, on va tester des choses. Baguette à reconnaissance d'écarlate. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il me faut mettre quelque chose dessus. Mais quoi? Ah là là, je m'énerve. Alors attendez, mon journal s'est mis à court. L'histoire de Bélial. Un grand livre a été découvert, les deux espoirs qui étaient là, vous avez pu découvrir les instructions. Merde, une enquête, une nouvelle invocation serait assez risquée. Donc alors attends. Si je dépose. Je peux pas déposer là, merde. Là, je dépose dans le domaine de Scarabée. Ensuite, attention, j'ai sauvegardé. Donc, du coup, alors attends, faut que je sois bien devant. Paf, ici, impec. I. Utiliser sur la canne. Moi, bon, c'est un sort. Mais comment je fais? Ah, comment je fais pour mettre ce truc de scarabée de merde? Ah, la solution, ça n'a jamais été aussi utile que maintenant. Ok, bon, maintenant je sais où je me suis trompé, donc c'est bien. Donc, on va charger ça. Ah, sachez que c'est extrêmement énervant pour moi, je suis au bout de ma vie. D'ailleurs, c'est pourquoi je ne fais jamais plus de 1 heure et demie de ce jeu, parce qu'au bout d'un moment, c'est épuisant.
et que en fait plus je joue à un jeu et si j'y joue longtemps je vais en avoir marre, mais très vite. Et donc en fait cette salle est très importante. Parfait, allez, nique le dernier. Voilà, en fait c'est ça la salle en vacation. Et c'est là que je devais me rendre. Voilà. Donc voilà, le caténaire. Il faut les allumer et c'est dans le bras zéro. Voilà. Regardez. On va tout allumer. Allume. Allume. Voilà, et c'était ça. Hop. Dans le bras zéro rituel, mes fesses, map. Voilà. Il faut mettre... un abdomen de scarabée de feu fermé, donc là c'est... Ah j'étais sûr que je pouvais prendre, voilà. On se met... Non. On se met devant. Ce que... Alors par contre, la solution recommande d'utiliser la protection. Donc protection contre le mal sur moi. Ainsi que sur mon compagnon. Ensuite, je suis devant, donc il faut que je me foute devant. Voilà, et utiliser hein, la baguette de feu. La baguette de feu. Sur le bras zéro. Et voilà. Alors regardons Bélial. Ouah, il est cool. Oh putain, il déchire. Oh, il défonce. Oh ouais. Oh putain. Ah vas-y, attends. Je peux pas me mettre plus près. Attendez. Alors attendez, je fais juste un petit screenshot. Ah, oh, il défonce sa mère. Vas-y. Je vais juste... Non. Je vais essayer juste de faire un screenshot. Parce qu'il défonce. Alors attendez, hop. Encore un peu. Poil plus haut. Merde, trop haut. Parfait. Impec. Voilà. Il défonce. Et donc du coup. Bonjour Bélial. Je suis en tant que juge. Raconte-moi l'histoire des frères Yarig. D'accord, vois-tu, il n'était qu'un outil, ah ah. Continue. Le serviteur de mon esclave, c'est lui qui a amené les enfants, ah ah. D'accord. D'accord. Acceptes-tu de me faire cette confession par écrit? Et voici la fin. Donc normalement j'ai tout. Parfait. Et nous allons revoir le gardien. Parce que voilà. Allez, on sort de cet endroit de merde. Enfin, pour le moment, pour moi, pour le moment, cet endroit, c'est de la merde. On va retourner voir le gardien.
Donc, gardien, j'ai rendu mon verdict. Salutations, juge. Apportez-vous les serments des frères Jareg ? Oui. Ceux de Kint et de Carlat. Non. Enfin. Je détiens les serments des frères Jareg. Et cette cour requiert la présence de... Oui, je suis prêt. Messieurs, le jugement. Vous savez, les charges tuées sur vous par une nuit de solstice d'hiver, il y avait longtemps, les enfants de Bossomé ont été amenés ici et massacrés. En tant qu'accusés, vous êtes tous deux défendus et vous avez transmis votre témoignage écrit au juge qui se tient devant vous. Notre âme aspire au repos, gardienne, et notre cœur à la justice. Taisez-vous, Carlet Tirail. Vous avez présenté votre défense et fourni une déclaration sous serment. C'est tout ce que cette cour attendait de vous. Le juge doit maintenant décider de ce qu'il, va devenir de nous. Quel est votre verdict, juge? Je déclare que ni Kint ni Carlat ne sont coupables de ce crime. Il est pourtant indéniable qu'un crime indominable a été commis, juge. Quelle preuve avez-vous pour... J'ai là la confession écrite du démon Bélial. Vraiment, Bélial! Seigneur du feu, je t'ordonne de te présenter devant la cour. Lathrat a-t-elle besoin de mes services, gardienne? Cela fait longtemps que je sens ta présence dans ce château. Le juge vient de montrer ta confession écrite et de te déclarer coupable. Établir ma culpabilité est une chose, mais punir en est une autre. Tu n'as aucune autorité sur moi, gardienne. La Fande m'a chargé de garder le phylactère, et le sort de cet objet détermine celui de tous les êtres réunis ici, toi et moi compris. Il vous faut prendre votre décision, juge. Que convient-il de faire au sujet du phylactère? Je vais le prendre moi-même. Ah, ton juge est stupide, gardienne. Cette cour est donc dissoute et l'affaire résolue. Selon la volonté de la Fande, nous sommes tous libres de partir, même moi. Le Seigneur du Feu dit vrai, mais votre décision reste valable. La Fendre a décrété qu'il serait impossible de l'inverser. Par le pouvoir du Seigneur de l'Aube, qu'il en soit ainsi. Prenez ce réceptacle et défendez-le jusqu'à la fin de vos jours, juge. Les âmes de tous les gens rassemblés ici vont enfin échapper à cet endroit. Mais j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a incité à rendre ce verdict? Tout le monde doit vivre, quel que soit, pour faire le bien ou le mal, non? Alors, si je réponds ça, c'est la merde. Si je réponds ça, c'est encore plus la merde. Si je réponds ça, là, on me pose des questions, je vais dire là. Hein. Bien dit, et cette théorie n'est pas sans mérite. Souhaitez-vous tout de même entendre la version de la cendre? Oui, donnez-la moi. Le fait que de nombreux enfants aient été massacrés dans ce château lors d'une nuit de solstice d'hiver ne souffre aucune contestation. Mais les événements qui ont conduit au crime sont bien plus nébuleux. Et c'est bien Quintiaraig, en effet, qui rassemble les enfants du village en faisant miroiter une fleur blablabla, vache. C'est vrai, oui, je ne pardonnerai jamais. Mais c'est son frère, Carlat, qui l'a poussé à agir par la ruse. Et c'est encore Carlat qui a lancé le sort qui a causé la mort des enfants. Car Carlat désirait devenir un bel norme noble, voyez-vous. Et il avait appris qu'il lui fallait pour cela faire couler le sang des innocents. Je ne les ai pas fait souffrir. On m'avait dit que je reviendrais à la vie dès que j'aurais achevé la cérémonie. Mais je ne l'ai jamais terminé. C'est Bélial, le démon, qui lui a menti, détournant ses nobles intentions pour citer un commettre un acte abominable. Et je suis très fier du... Genre, merde, j'ai perdu la voix de Bélial. Et je suis très fier du résultat, dois-je dire. J'ai complètement niqué la voix de Bélial. Aujourd'hui encore, les seigneurs ténébreux se ruent au combat en prononçant le nom de Bélial, seigneur du feu. Le phylactère a été au centre de l'affaire, car là, t'en avais besoin et le Bélial le lui a donné. Mais qui ne te l'a volé? Puis la Fande l'a confisqué, mais le remettant en garde, et vous avez enfin déterminé son destin en rendant votre verdict. Voilà, la Fande déclare que cette cour est dissoute. Lorsque vous serez parti, je scellerai les portes du château et vous ne pourrez jamais y revenir. Puisse la bénédiction de la cendre vous accompagner, juge. Point, 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 point. Wouah, Phoenix Wright. Trop bien. La vie. Alors, à l'intérieur du château, et là c'est tout un résumé. Résumé de l'épisode qui vient de se produire.
Étrange village de Bois-Souris est blotti au plus profond de la forêt du même nom. Il est enveloppé par un brouillard bleuâtre qui semble s'étendre sous une chape de nuit éternelle. À l'entrée, un fou du nom de Quint accueille les nouveaux venus avec des énigmes avant de disparaître dans une volute de fumière sanguinolente. À l'intérieur du village lui-même, les habitants paraissent perdus dans une brume des confusions et d'oubli, répétant sans cesse les mêmes mots dans l'air glacé de la nuit. Le bourgmestre ne fait pas exception, bien qu'il semble effrayé par l'idée que quelqu'un s'enture dans le sinistre château Yareg qui surplombe le nord de l'agglomération. Ah, l'honneur, tout ceci est bien lieu. Tout ceci a eu lieu et le juge a pris sa décision sur la base d'un troisième déposition du nom de Bélias. Retrouvons la liberté. Voilà, nous avons réussi. Donc, ça me fait des quêtes en moins. Maintenant, on va tranquillement aller à Luskan, mais pas aujourd'hui. Enfin, non. Alors, je ne vais pas quitter la tour pour le moment. Quoique si, allez si, moi je me barre de la tour, hein. On se casse, voilà. Moi j'hésitais à dire, oh, je vais pas rester, je vais continuer à farmer. Mais non, je vais pas farmer mec, c'est bon. Je suis à 64317 d'XP. Ah c'est dommage, ah c'est dommage, le level up n'est pas pour cet épisode, il sera peut-être pour le prochain. Ah ce teasing, on y a cru. Les ruines d'une ville. Ouh. Très gai. Ah oh. Et donc nous allons découvrir. Ah je ne peux effectivement plus entrer. Ah ça c'est bien. Juge, c'est moi le bourgmestre Moblet. Regardez comme la lumière brille de nouveau à travers les feuilles. Voyez tout ce que vous avez fait. Je suis resté en retrait pour vous remercier. Je vous en prie. Sachez que nous vous en sommes reconnaissants. Tous les habitants de la ville, chacun de nous, fantômes et esprits, nous sommes enfin libres désormais. Laissons cette forêt aux animaux et à vous. Au revoir, juge. Vous nous avez été d'un grand secours. Il disparaît. Et il n'a pas donné assez d'XP. Il m'a laissé un coffre. Oh, il est cool. Oh, ce coffre qui a ramé du cul 500 pièces d'or. Une épée de démolition, une potion de clarté et un bâton plus 2. Roublard ? Vraiment. Oh, c'est pile. Oh, c'est pile poil. Et donc, effectivement, c'était la... Des ours ! Des ours polaires en pleine forêt, ça n'a aucun sens, mais on s'en fout. Ah ça rame, ah ça rame fort par contre. Je sais pas pourquoi ça rame, mais ouais, niquer des bites, non niquer des bites, oui, niquer des culs. Non pourquoi j'ai fait R. Ah, allez sanglier, sanglier. Je m'en fous, je vais crever, mais je serai heureux. Et bam, allez. Papa, on va se reposer. Non, on va boire une potion. Voilà, on est bien. Allez, petite sauvegarde. Pour finir de regarder toute la map. Ah, les ruines des maisons. Ah oui. Ouais, mais il y a des... Ah, mais il y a des sangliers, normalement. C'est quoi, ce délire? Oh, putain. Oh, oh là là. Oh là là. Ah, allez, allez. Est-ce qu'on y croit? Il me faut encore... beaucoup de sangliers. Ah là là, alors là le suspense. Aurais-je dit encore une fois des conneries? Est-ce que le level up est là? Est-ce qu'il y a un gros monstre à 200 d'XP? Est-ce qu'encore une fois des surprises nous attendent? Est-ce qu'encore une fois des choses sont à découvrir? Non, là il n'y a rien. Et donc normalement, la forêt n'a plus de brume techniquement, ce qui m'a l'air complètement fou. Parce que je vois encore de la brume. Bon là il n'y a rien. Et donc là c'était l'entrée
du... Ah, la porte est fermée. Ah, ça a changé. Ah ouais, ça a changé là. Et bah parfait. Ah, une pancarte. What the parlous. Parfait. Et bien voilà. Bien voilà. Ça conclut cette énorme quête remplie de rebondissements, de révélations, même si j'ai vu la soluce parce que j'étais complètement bloqué et que ça commençait à m'énerver d'ailleurs. Je n'ai pas vu la gueule du phylactère. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Phylactère de Karl Yareg. Ce phylactère est celui de Karl Yareg, l'ensorceleur a dominé chez les vides l'essence vitale que Karl a pu contenir un jour, disparu depuis longtemps. Oh là là, c'est beau. Et voilà. Et voilà. Donc je disais, c'est là-dessus que se termine cet épisode 100 qui aura été extrêmement long. De toute façon, je vais faire d'énormes cuts. Si je dis pas de bêtises, il aura duré autour de 2 heures. Et c'est vraiment un gros épisode. Je suis fatigué. Je vais aller me reposer après et on continuera l'aventure tous ensemble avec des épisodes à un rythme normal, des épisodes qui feront autour de 15 minutes comme d'habitude. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, de suivre l'aventure jusqu'ici, jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous plaise, moi ça m'encourage à continuer et à faire ce jeu encore une fois. C'est grâce à la motivation que ce jeu me donne, à la motivation que vous me donnez lorsque vous les regardez les vidéos. Ça fait vraiment plaisir, merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande... Enfin non, je vous demande de mettre un petit like. Voilà, ça ne prend que 10 secondes. À commenter si vous avez des strats, des idées sur, sur mon personnage, si je dois augmenter telle ou telle caractéristique, s'il y a une armure ou une arme qui vous semble meilleure que mon équipement actuel. D'ailleurs, je vais vous montrer mon équipement. Voilà, je vous fais pas le... Je ne vous fais pas le listing des... Enfin, je ne vous fais pas le... La description. Si vous avez aussi de partager la playlist, surtout, de partager la vidéo... Si c'est la première vidéo que vous regardez, regardez le contenu que je produis. Et si les vidéos que je fais vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne, ça ne mange pas de pain. À me suivre sur Twitter, Rylus1. Merci à tous et à toutes encore une fois d'être présents pour Neverwinter Night et pour les vidéos que je sorte. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine sur Neverwinter Night.